Alors, je crois que Ariel Halimi n'est pas là, donc je vais essayer de le remplacer. Vous l'imaginez, et je suis sûre qu'il dira des choses bien plus intelligentes que je ne vais vous les dire. Mais il n'est pas là, donc tant pis. Alors, j'adore remettre ce prix ouin-ouin, parce que c'est quand même un peu ce qu'on me reproche non-stop sur CNews. Et donc, ça me fait vraiment plaisir, en fait, de le distribuer ce soir. Alors, évidemment, on peut rire et il faut qu'on en rie parce que ça nous donne de l'énergie et ça nous permet de nous mettre ensemble. Mais les personnes qui sont là et qui tiennent ces médias-là ont un projet. C'est un projet politique de mettre en place en France, de faire gagner le suprémacisme. Et je pense qu'il faut qu'on se le dise comme ça. Ils veulent le suprémacisme au pouvoir. Alors, il va nous falloir résister. Il va nous falloir dépasser toutes les difficultés qui sont face à nous, parce que ensemble, tous, les Arabes, les Noirs, les Juifs, les Catholiques, les Musulmans, les athées, les femmes, les hommes, les LGBT, les personnes en situation de handicap, les valides, tout le monde en fait, on est beaucoup plus nombreux qu'eux et on a beaucoup plus de pouvoir. Alors moi, ces gens me fascinent parce qu'en fait, vous savez, ce sont des babes tout fragiles. Vous voyez, c'est des mecs qui sont là, toute la journée, ils crachent à la figure de tout le monde. Ils nous expliquent qu'il y a un grand remplacement, que la France est menacée, que c'est l'immigration, l'identité, l'insécurité. Non-stop, du matin au soir, ils nous disent ça. Et quand on dit que les hommes font le barbecue, ils sont là... Mon Dieu, elle a dit que les hommes faisaient le barbecue. Oh, édition spéciale, 24 heures, des bandeaux pendant 48 heures. Ces gens sont dangereux. Ces gens sont dangereux parce qu'ils pensent être supérieurs à nous tous et toutes ici dans la salle et à beaucoup d'autres dans le monde. Ces gens sont dangereux parce qu'ils sont climato-sceptiques. Ces gens sont dangereux parce qu'ils ont l'argent et qu'ils nous mettent dans la tête, qu'ils mettent dans la tête des Français et des Françaises des idées qui sont nauséabondes de haine et de rejet. Ces gens sont dangereux parce qu'ils ont les moyens de déplacer le débat politique. C'est ce qu'il se passe actuellement. Aujourd'hui, le débat politique est tellement déplacé qu'il est admis finalement que des étudiants devant Sciences Po n'aient même plus le droit de manifester alors qu'il y a des dizaines de milliers de morts dans une bande qui s'appelle Gaza. Le débat politique est tellement déplacé qu'aujourd'hui dire « les musulmans ont toute leur place en France, ils sont français et nous sommes fiers qu'ils soient avec nous », eh bien c'est une phrase subversive. Le débat politique est tellement déplacé qu'aujourd'hui on peut convoquer par un juge d'instruction la présidente d'un groupe parlementaire qui n'a fait aucune apologie d'aucun acte terroriste en pleine campagne électorale. L'heure est grave, les amis, et il va vraiment falloir qu'il y ait un sursaut dès le 10 juin, parce qu'ensemble, nous pouvons gagner, mais à condition de le vouloir. Les nommés sont Pascal Pro 2023 sur CNews qui dit « Ouin, ouin, l'extrême gauche a tous les pouvoirs en France, elle a pignon sur rue, mais heureusement, Pascal, qu'on a pignon sur rue !» Johan Usaï en 2024 sur CNews qui dit « On est à deux doigts d'avoir, lors d'un prochain remaniement, un ministère de la censure à propos de la décision du Conseil d'État enjoignant l'ARCOM à mieux contrôler CNews. » Pascal Pro toujours, mais c'est une source intarissable, 2024 sur CNews. CNews, les coups les plus durs sont portés à mon petit cœur, ça il ne l'a pas dit, par les journalistes. Le lauréat est Pascal Pro pour l'extrême gauche a tous les droits en France, elle a pignon sur rue, ça s'appelle la démocratie, Pascal, et on compte bien continuer. Je suis,
en écoutant Isabelle Adeno qui était sur RTL lundi dernier. Mais, et c'est une info peut-être plus légère, quoique, Adèle Haenel, cette comédienne, actrice de qualité, qui avait eu d'ailleurs un César, je crois, hein, qui avait été révélée. Bon. Elle était donc hier dans un meeting de Révolution Permanente. Révolution... C'était Paris 8. C'était à Paris 8, d'ailleurs. C'est assez intéressant de savoir que c'est Paris 8 qui accueille Révolution Permanente. Je vous assure, ce monde de l'université... vous imaginez une organisation dite d'extrême droite tenant meeting dans une université en France. Révolution Permanente, la ministre des universités de l'enseignement supérieur, que personne ne connaît, qui n'intervient jamais, tolère que dans une université française, Révolution Permanente. Non mais vous souriez. Non mais je souris parce qu'il y a. Non mais vous souriez, mais on peut sourire jusqu'à la fin de notre vie. Non mais Paris 8 est une ZAD, il faut le dire. Je veux dire, c'est tellement invraisemblable. C'est des gens qui tiennent. Pascal, ce qui me choque, c'est pas qu'il y ait Révolution Permanente, c'est qu'il y a certains colloques universitaires auteurs qui sont interdit quand ils viennent faire une conférence dans une université. Mais bien sûr, c'est ça qui mais bien sûr. Mais donc, mais ça, bon, l'extrême gauche a tous les droits en France, elle a le pignon sur rue. Donc, je voudrais qu'on écoute l'actrice Adèle Haenel. Donc, elle s'est exprimée lors de ce meeting de Révolution Permanente et elle dénonce un gouvernement de violeurs. Donc, écoutons-la. S'il y a des journalistes dans la salle, je voudrais juste leur dire que. Vraiment, ne tombez pas dans le piège de dire que l'extrême droite et le wokisme se nourrissent l'un l'autre. Ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, c'est juste la demande de droits et de respect de ces droits à l'intérieur de la société. Ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est ce qui appelle à la guerre civile.